Qu'est-ce qui se passe? Et on fait de la voile à l'embouchure du Saguenay, près du haut fond Prince, en direction de l'île au pot à l'eau de vie. Et là, on fait du petit largue. Et ça, c'est une allure que Fully adore. Et puis, c'est ça, on va en profiter. Là, il y avait des rorquals. Il y avait plein de rorquals qui sont près là, de... Ils étaient quand même très près de la Guerta. Là. Oui. Donc, il y a eu un phoque aussi, là, mais les rorquals, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Là. Si on est attentif, on va peut-être en voir nous aussi. On roule combien, ça? On roule 6,7 sur l'eau. Je sais pas avec le courant combien. Le fleuve est plat, un beau petit vent. On va en profiter autant que possible. T'as pas ta veste? Peut-être qu'un petit manteau serait mieux, mais... Ouais, mais regardez, il y en a un juste là. Ça, c'est un phoque. Il y a un phoque. Oh non, un rorcal. Il était juste ici. Regarde, il y en a un autre là. Ouais. Ah non, mais il était plus près que ça, celui-là. Celui que j'ai vu. Voilà, il y en a plein. Il y a des... Oh oui, regarde le phoque ici. Oui, j'ai vu. Regarde. Un petit phoque qui est curieux. Oh, là! Oh! Oh, wow! Ben, on a presque vu sa queue. C'est qui? Ben, au rorcal, il y en a un autre là. Oh, le rorcal, il est où? Ben, là, il y en a deux, je sais pas, il est où? Ils sont là, ils sont sur l'eau. Devant, devant, devant. Combien de fois il sort? Là, il est sorti trois fois. Pas ce qu'on mange pour dîner. Casse-tête.
voir mon pote. Des neuromènes? Ouais, de la soupe. Ouais, de la soupe romaine? Ouais. C'est vide en calories. Plein de sel. Pas bon grand chose. Alors juste en face, on a gros kakuna. Plus loin, on a le haut fond Prince. Avec l'entrée peut-être du sac. L'entrée du fjord, c'est-à-dire. Et il y a tellement d'eau. On a tiré seulement 3 barres jusqu'à présent. À peu près 15 000. C'est incroyable. On a dû voir une trentaine de rorquals. Autant en phoque. Autant de phoques. Oui, pourquoi? Puis l'eau a une belle couleur. Tu fais quoi? Prête. Hey. On est à la fin juillet, puis il va mettre. Ah ouais, mais on est tellement bien. Ouais. Demandez-moi si je préfère suer puis transpirer à 35 degrés là, avec humidex et tout ça. Faut être bien habillé, un bon vent frais. Hey, le vent est régulier, là. C'est incroyable. C'est un plaisir. Je pense que ça s'approche du paradis. Bon, ok, ça vient en deuxième. Après toi, chérie. Capitaine? J'expérimente le mode régulateur d'allure sur le pilote automatique. Puis? C'est vraiment cool. À côté, c'est magnifique. Il y a une chanson qui dit je suis amoureux. Hein, tu sais, un truc genre de la dame en bleu. Moi, ce serait je serais amoureux du fleuve Saint-Laurent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, je m'attendais pas à ce que tu me chantes du Michel Louvain. Ouais, c'est du Michel Louvain. Mm. Surtout, je m'attendais pas à me faire détrôner par un fleuve non plus, mais bon, ça c'est... Ben non, mais je t'aime aussi. Mais... Oui. Peut-être pas autant que le fleuve Saint-Laurent en ce moment même. Non, on traverse, dans le fond, Rivière-du-Loup est à environ 15 000. Pas tout à fait sur notre travers tribord. Puis on profite du courant.
là, ce qui est le fun, c'est qu'on pointe... En fait, le courant est plus important que notre dérive auprès. On se trouve à s'en aller de façon presque perpendiculaire à la côte. Et dans les faits, sur le fond, on se trouve à progresser vers le sud-ouest grâce au courant. Puis là, on a environ jusqu'à 17 heures. Si on veut pas commencer à refouler, il faudrait... on a jusqu'à 17 heures pour faire de la voile comme ça. À moins que le vent change. Il était supposé de virer nord-ouest dans les alentours de Rivière-du-Loup. Là, il est pas tout à fait 13 heures. Il reste mais encore. On n'est pas encore rendu 4 heures, non plus. 4 heures de temps. Pas mal mieux de faire ça sous voile que de faire ça au moteur. Ah, c'est là, le soleil sort. Ça donne un autre aspect. Change de bord. Ah oui, écoute, on se trouve des positions. Allez, allez. Ouais. Ah, comme ça, là je dormirais. Là. Ouais, mais c'est pas le temps. Oh! Une traversée aux îles de la Madeleine, imagine. Tu t'installes. 36 heures. Hein? 36 heures traversée aux îles. Ben je sais, ouais, vous allez passer sur le 11. Barré aujourd'hui.
même pas de pilote. Le bateau se barre seul. C'est à ce moment-là qu'on sait que nos voiles sont parfaitement réglées. Avec le bon angle, sur le safran, tout ça. Le pilote fonctionne pas. Ça fait, je pense, ça fait quoi, une demi-heure? Une demi-heure que c'est comme ça. Ça touche à rien. Et le pire, c'est qu'on s'en va là où on veut. J'ai eu le temps d'aller prendre des photos, filmer. C'est merveilleux. Magnifique. Ah, puis à travers ça, on voit des rorquals, des fois. Génial. Donc là, on tire avantage du courant. Parce qu'on se trouve à. On est à quoi là? Au 196. Dans le fond, il faudrait s'en aller là. Sur l'eau. Et sur le fond, on s'en va là. Parce que le courant, la masse d'eau, nous pousse vers l'île du Pau-Aloupi. Puis nous, on pointe vers la rivière du Loup. Ça, c'est, on appelle ça tirer avantage du courant. C'est spécial. Parce que là, je pense qu'il y a deux nœuds et demi. Enfin, genre, deux nœuds et demi de courant.